Il y a longtemps que tu n'étais pas venu à Alger. Tu te souviens de ce que je te disais en classe? Je disais tellement de choses. L'enfant porte en germe l'homme qu'il deviendra. C'est devoir d'un écrivain, mais pas de se mettre au service de ceux qui font l'histoire, mais d'aider ceux qui la subissent. Je crois fermement à la possibilité d'une juste coexistence entre Arabes et Français en Algérie. Monsieur Jacques, c'est vrai qu'il y a la guerre entre nous. Et comment va ta mère? Courageuse, comme toujours. Tu veux un bout de pain? Toi, tu as eu la chance d'avoir deux femmes exceptionnelles qui ont pris soin de toi. Tu sais, pendant longtemps, je n'ai jamais soupçonné les conditions dans lesquelles vivait ta famille. C'est qui les pauvres? Les pauvres? C'est nous. Moi, toi. La grand-mère, l'oncle Étienne. Si c'est nous les pauvres, alors tout va bien. Tu serais contente si j'écrivais un livre sur toi? Je sais pas lire. Retourne d'où tu viens, Cormorie! Traître! Tu n'es pas chez toi, ici! Tu devrais écrire un livre sur nous, sur notre tragédie. J'ai beaucoup écrit, on m'a insulté. Je te parle pas d'un essai ou d'article dans les journaux. Je te parle d'un roman. C'est dans les romans qu'on trouve la vérité.